Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 13e session du dossier Dracula. Alors dans cette session j'ai commencé par leur fournir de nombreux documents issus des Hawkins Papers, comme je l'avais signalé la fois dernière. La difficulté avec ces documents c'est qu'il ben, faut que ça colle avec ce qui a été introduit auparavant dans l'histoire. Donc là, il y a eu une première série de, de, de documents qui décrivaient un petit peu les, les premières expériences pour la, la création du sérum euh, qui permet de faire des sortes de, de super soldats pour Edom, hein, ce qui s'appelle le, le, le sérum S. Donc là, il fallait que, que, que c'est une existence déjà aussi dans, dans la partie. Et puis, euh, j'ai fourni aussi une page euh, avec, euh, issue donc, du journal de Renfield. Avec des, des, des numéros qui étaient indiqués. Et donc en fait, cette page est un code. Je vais vous la montrer. C'est cette page-là. Voilà, en fait, cette page, c'est un message codé. Donc les, les joueurs s'en sont aperçus d'eux-mêmes, hein, sans faire de dépenses. Ils, il euh, ils se sont doutés qu'il y avait quelque chose. Ont, en tout cas, ils ont remarqué que ça allait de, 1 à 26, euh, de, enfin, de 0 à 26. Et donc, ça, ça leur a mis un peu la puce à l'oreille. Ils se sont demandé s'il n'y avait pas quelque chose à voir. Et puis, comme l'un des personnages dispose de cryptographie, euh, voilà, j'ai je, je, confirmé effectivement cette intuition. Donc là, le joueur a voulu s'atteler à, à déchiffrer cela. Il avait quelques pistes, mais euh, le code n'est pas facile à, à, à décoder, puisque là, il suffit, là, dans un premier temps, de remplacer euh, chaque numéro par la lettre qui correspond. Par exemple, le A, c'est le 1, c'est un A. Euh, le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a pas, euh, pas le texte qui apparaît. Euh, en plus, il y a une partie qui est, euh, qui est entourée, qui est encadrée, donc le, le joueur s'était consacré concentré là-dessus. Et en fait, ça n'a pas d'impact. Ce, euh, ce cadre n'intervient pas du tout. Donc, une fois qu'on a, on a remplacé chaque numéro par une lettre, il faut utiliser une clé. Et donc, là, pour trouver la bonne clé, c'est pas évident. Euh, J'ai essayé, donc c'est ce qu'on appelle un, un code visionnaire. J'ai essayé de passer euh, euh, le, le, le code à la moulinette de, de certains décodeurs qui existent en ligne et ça n'aboutissait à rien. Alors, sachant que moi j'avais la, la clé, je savais quelle était la clé et je savais, puisque c'est indiqué dans les documents qui accompagnent le, les Hawking's Papers, euh, j'avais la traduction aussi, je savais quel était le message secret, mais je voulais essayer de voir s'il était possible de retrouver ce message. Et donc j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce, bien un code Vigener, mais normalement le code Vigener, il utilise euh, des lettres qui, vont de zé, qui sont codées de 0 à 25, et là les lettres sont codées effectivement de 1 à 26. Et donc il faut appliquer euh, l'algorithme du code Vigener avec, euh, avec le, 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 la clé. Euh, qui est en fait ici la phrase que répète tout le temps, euh, que répète plusieurs fois Renfield et qui, qui est uh, indiquée dans une des notes donc j'ai indiqué euh, à, aux joueurs quelle était la, la note qu'ils pouvaient utiliser dans, dans euh, le Dracula Unredacted quelle était la note qu'ils pouvaient utiliser pour, pour décoder ce message et donc en fait ce message révèle que euh, Hawking, que, pardon, que Seward et euh, Van, Van Helsing ont euh, enfermé euh, quelqu'un, euh, une jeune femme euh, dans les sous-sols euh, du euh, de l'asile à l'époque euh, donc de, de, de Renfield. Alors euh, pour que ce soit euh, donc là là j'avais introduit hein, auparavant euh, le fait que euh, Seward et Van Helsing avaient pu éventuellement euh, garder euh, Lucie en vie. Donc là c'est une façon euh, d'enfoncer le clou par rapport à cette information là. Mm -hmm et donc de valider euh, ce qui avait été euh, posé auparavant. Hein, et donc ce, ce document, euh, même s'il n'indique pas que c'est Lucie, hein, il laisse, euh, il laisse une, la possibilité euh, à chacun de, 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 de se réapproprier le document, il indique quand même que les deux ont amené un, une femme donc, dans les sous-sols. Donc il, il faut essayer de retrouver sur ses pieds avec cette information, si on donne le document au joueur. Alors ensuite, ensuite dans cette partie, il a fallu que euh, je gère un petit peu euh, les réponses des Donc ils ont refusé euh, donc de, de la mission confiée par Edom, hein, le, le test qui avait été euh, proposé. Hein, ce test, c'était euh, une, une sorte de... de tentative De recruter les agents, hein, donc ça c'était hein, une tentative de c'est une action du niveau 4 pour Edom, hein, recruter les agents, mais en leur proposant quelque chose qui les engage très fort. Hein, ici c'était un assassinat, donc c'était quelque chose d'assez lourd euh, pour eux. Euh, et donc ils ont décidé de ne pas suivre euh, la demande d'Edom. Et donc à partir de là, il fallait que Edom ait une réponse. Donc la première réponse d'Edom, je suis allé piocher dans. Euh, des, des, des réponses qui sont dans les niveaux inférieurs. Donc là, j'ai pris ce qu'on appelle donc, ce qui s'appelle Freeze Assets. Hein, donc, euh, geler, euh, geler les biens, geler euh, les actifs euh, des, des personnages. Donc, euh, Edom s'est arrangé pour, euh, pour bloquer un peu les comptes connus. Euh, voilà. Donc, ce qui. Ce qui L'action précise un petit peu que euh, pour se, se prémunir de ça, les joueurs peuvent euh, utiliser une dépense de comptabilité. De Où compta compta com oh, je vais y arriver de comptabilité, ça y est, j'ai réussi, de comptabilité, et, euh, et ou alors d'utiliser donc des, des points d'organisation. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qui a permis à Madison d'avoir quand même quelques argent de réserve. Donc ça, c'est la première action en réponse à, au refus euh, des joueurs. Il y en aura d'autres, bien sûr, que, que j'ai pu annoncer par la voix de Ella. Alors ensuite, euh, par rapport à la réponse des Doms aussi, euh, il y avait le fait aussi que Madison avait transmis euh, information, euh, les informations concernant Angelica Dragos à Kenaz et je voulais que le fait d'avoir transmis ces informations ait un impact dans la suite du jeu. Euh, donc là, c'est ce qui se passe par les, les informations révélées par euh, par, par euh, Mina. Hein, il il s'agit donc de de, 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 de mettre une conséquence hein, sur ce qui a été sur l'action d'un joueur donc là comme Edom est entré en position de cette information ils ont mis en place un dispositif pour récupérer un, un Angelica et donc euh, voilà donc c'est c'est histoire donc de jouer à une sorte d'impact un peu de, 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 de choix des choix des joueurs et donc c'est ainsi que euh, ils apprennent que probablement euh, Edom a réussi à capturer Angelica donc là, je n'ai pas, pas fait de GD, hein, j'ai choisi l'option qui me semblait la plus probable euh, et la plus intéressante au niveau dramatique, au niveau scénaristique, euh, pour, pour faire évoluer tout ça. Donc, ça, c'est la, la réponse des DOM. Enfin, euh, donc là, lors de cet assaut, euh, les joueurs ont décidé de mettre en place un plan assez audacieux, hein, puisqu'il s'agissait de se faire passer pour Kenaz euh, donc, c'est quelque chose qui est assez difficile, hein, c'est quelque chose qui peut paraître assez improbable, mais je pense qu'il faut se souvenir que les, les agents dans Nailback Agents sont quand même des super agents. Ils ont en face d'eux des adversaires qui sont euh, super naturels, et donc ils ont aussi quand même des ressources qui, sont, qui frôlent un petit peu parfois, euh, je dirais, ce, ce, ce surnaturel. Hein, c'est vraiment des super agents, et la, la règle du de, 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 de l'expertise euh, militaire, de la spécialité militaire, fait qu'ils peuvent réussir automatiquement, une fois par session, ce qui est quand même beaucoup, une action dans leur domaine d'expertise. Hein, donc c'était ce qui s'était passé la fois dernière avec les explosifs euh, de, euh, de, de Queen. Et eh bien euh, là, c'est ce qu'on retrouve aussi avec la capacité de déguisement de Madison. Hein, c'est l'occasion euh, pour elle de... de d'avoir son, son quart d'heure de gloire grâce à cette, à cette capacité à cette expertise euh, voilà donc ça, ça lui permet donc de, 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 de se faire passer pour pour Kenaz, même aux yeux de, de Ella euh, qui, qui, peut, qui peut la connaître aussi euh, et qui a pu la, déjà la, la fréquenter à plusieurs reprises euh, voilà donc ça, ça, ça peut être un petit peu c'est quelque chose qui peut paraître un peu, un peu tordu un petit peu un, peu un peu curieux mais je pense que ça reste dans l'esprit du, du jeu de permettre ces actions d'éclat, euh, ces utilisations un peu euh, étonnantes des, des compétences qui frôlent un peu le, le surnaturel. Donc voilà euh, un petit peu pour le, le les retours, le débriefing de cette session et donc euh, on va voir un petit peu quelles sont les informations que euh, Ella va leur transmettre, sachant que j'ai d'ores et déjà euh, pioché de nouveau euh, des documents dans les Hawking's Papers pour étoffer un petit peu ce qu'ils vont trouver sur place. Voilà, ben je vous donne rendez-vous pour la suite de nos aventures très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.